Sur YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la communauté schizofavienne. Je sais pas si ça se dit. On dirait pelvienne, tu sais, ça fait bizarre. Je suis avec Aurélien, Chris, Julien et Lord Bella. Bijour, bijour. Bijour, tout. Bijour. Et bien sûr, on est avec le chat Twitch. Ah, tranquillou, faites le bordel, Twitch, ça va être pas mal. Du coup, nouveau serveur communautaire qui est en train de s'ouvrir. On est sur une carte qui s'appelle... Alors attendez, je l'ai marqué quelque part. Fichtal. C'est Fichtal V2. Yeah. Du coup, serveur communautaire ouvert à tout le monde. Je crois que la map est pas crossplay. Donc, si je dis pas de conneries... On a mis le serveur crossplay, mais je crois que vous pourrez pas revenir les consoles. S'il y a une console qui a envie de tester, n'hésitez pas. Le All Mode est disponible sur le Discord. Mais si vous tapez le nom du serveur et que vous arrivez à télécharger tous les modes, c'est que vous allez pouvoir rentrer les consoles. Si vous pouvez pas, bah, c'est que vous y arriverez pas. Voilà, je dis direct. Wouhou ! Et du coup, nous sommes avec la commu. Les règles vont être simples. Nous sommes sans mode saison. On a la destruction de culture. On est en partir de zéro. On a 300 000 euros de budget au démarrage. Hormis si tu tapes le crédit, bien sûr. Le 500 000 de crédit disponible, on n'a pas mis le crédit suivant la qualité de la ferme. Si vous avez envie tout simplement de faire une ferme juste pour vous, voilà, votre ferme à vous. Vous êtes solo, vous avez un copain à ramener, vous pouvez, voilà. Vous avez envie de faire une ETA, vous avez besoin de budget pour démarrer, vous pouvez aussi. On s'arrange, tu me bip, schizo, j'aimerais 1 million d'euros, je voudrais faire une petite ETA pour travailler en sous-traitance avec les copains. C'est possible. S'il y a besoin de rajouter des mods, il faut servir bien sûr du canal Discord, serveur communautaire. Attention, quand je dis rajouter des mods, c'est pas on en rajoute 5 par jour en mode des trucs overcheatés. Non, je veux du RP, je veux du propre et je veux surtout quelque chose d'utile en mode. Voilà, j'ai pas envie d'avoir une Colossus ou une machine à batterave ou à carotte là qui fait du 300 km/h. Je vous le dis d'avance, les enfants, serveur commu, ça n'empêche pas que ça reste dans les thématiques des parties que j'ai habituellement. Voilà, du coup j'espère que ça vous fera plaisir. Bijour, bijour Pat, Pat Patrouille. Bijour, bijour, ça va, merci. Vous êtes toujours ensemble, quasiment. On est toujours, voilà, il y a un bout du staff, il y a un bout de, il y a un bout du reste. Il y a Anto qui va nous rejoindre après par la suite. Là il est parti manger. Et après, bah, les gars, si vous voulez venir en serveur communautaire, il faut pas hésiter. Du coup, pour démarrer cette game, je vais vous demander à chacun qui c'est qui veut une ferme, qui c'est qui veut pas de ferme. La première ferme, je la mets au nom de qui, le nom de quoi, et on fait quoi. Moi, je suis juste un esclave. Voilà, okay. Ça veut dire que si quelqu'un besoin d'aide, j'aide. On est un esclave, c'est déjà pas mal. Un esclave. Julien, esclave ou patron. On t'a vu en patron, on sait ce que ça donne. Montre-nous que tu peux être solo et défoncer tout. Je vais essayer. Tu vas essayer ? Donc Julien, on verra les mots de passe en off si vous voulez que je vous bloque vos fermes pour que personne rentre dedans. Voilà. Ok ? Donc, okay. La ferme de Julien est créée. Aurel, tu veux une ferme ou pareil ouvrier ? Moi, je vais prendre une ferme. Tu prends une ferme, ok. Ouais, je vais faire les boutons. Aurélien qui veut prendre les moutons. Alors accordez-vous avant d'acheter parce que vous allez voir que y a des petits, il y a des gros, il y a des moyens. Et voilà. Et Julien il fait des poules. Ok, ouais, c'est ça que j'ai entendu. Aurélien, c'est bon. Chris. Moi, esclave. Esclave. Ok, donc on va être soit esclave de Julien, soit esclave d'Aurélien. T'es d'accord avec moi parce que là ça fait 3 esclaves pour 2 fermes pour le moment, tu sais. Salut, je trouve pas le serveur sur le Discord. Bah, il faut que t'aies le canal farming. Donc, n'hésitez pas. Ah ouais, je vous le remonte vite fait. Les gens, quand vous arrivez sur mon Discord, dites-vous bien que vous arrivez là-dessus. Voilà, sur cette page-là. Vous avez le règlement, bien sûr, à lire, qui est pas compliqué. Vous cliquez là. Après, vous allez dans Autoroll et vous sélectionnez. Tu voyez, farming, c'est le petit bonhomme là. Donc, c'est ici. Vous cliquez là et ça va vous débloquer tout le canal farming qui est ici. Voilà. Tout le canal farming et dans le canal serveur communautaire, vous allez retrouver les liens pour DL avec les parties, les trucs et tout ça. Voilà. Pas compliqué. Prenez du temps. Juste que on n'a pas un auto-roll pour quand vous aurez fait votre présentation. Voilà. Quand vous aurez bien lu le règlement et que vous avez une présentation à faire, et ben oubliez pas qu'il y a un être humain derrière qui vous ajoute. Donc soyez patient. Des fois, ça prend
entre 10 minutes et peut-être des fois 12 heures. Ça dépend comment vous tapez dans la journée, quoi. Si t'arrives à 3 heures du matin, t'attends pas à une réponse avant au moins 8 ou 9 heures du mat, tu vois. Laisse les gens dormir. Mon staff dort de temps en temps, tu sais. Je les fouette pas H24. Ils ont le temps? Oui, ils ont le temps de dormir, bien sûr, ils ont le temps de dormir. Bah, Lambella un peu moins en ce moment avec tous les clips TikTok qu'il a à faire, mais on est pas mal. Ça devrait aller avec les nouveaux trucs à lâcher Twitch. Ouais, franchement, ils sont sympas. C'est sympa. Bon, allez, dernière licorne et je m'enfuis. Je te soutiens de loin ce soir. Pas de soucis. Merci pour les petites licornes. 30 bits du coup de licorne. Merci énormément. Merci, merci. Salut Ludwig. Du coup, moi j'hésitais. Ferme ou pas ferme? Eh ben, la question, ça va être simple. C'est vous qui allez me dire. Je vais faire un petit sondage. Je crée une ferme. Voilà. Oui ou non? Et c'est vous qui allez me dire oui ou non, tout simplement. Parce que, sur le coup, vu que je vais pas être très très présent sur le serveur, hein, faut pas se le cacher, hein, je vais être là surtout les lundis. Voilà. J'aurais bien été visiter, voir les gens, comment ils évoluent, quand ils sont en partir de zéro, sans moi, tu vois, sans influence de ma part. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce que ça aurait pu donner, tu sais. Donc ça aurait pu être sympa d'y mater. Salut James, James Ishinoda. Bonsoir, bonsoir, salut Jet. Il va arriver lundi pro, il y aura un 8RX. Ah, c'est possible, hein. C'est possible, hein. En temps normal, quand. Ou pas un 8RX, mais il y aura un gros truc, quoi. Vu la carte que j'ai joué dessus pour avoir du gros matériel, il faut vraiment en vouloir. Ouais. C'est vrai que la carte, je vous ai pas présenté la carte. Alors, c'est Finchtal. Désolé, mon allemand est dégueulasse. C'est une petite carte qu'on avait choisie avec la communauté que vous avez trouvé super sympa. Vous avez les corps de ferme qui sont sur la map quand vous regardez, vous dézoomez à fond. Et en fait, vous avez les numéros avec les corps de ferme disponibles. Par exemple, si je prends la 1, vous avez des vaches disponibles avec. La 5, c'est des moutons. La 2, c'est les cochons et les poules. La 3, c'est des vaches aussi. Alors attention, les enclos sont pas très très gros. Hein, surtout pour les petits, les premiers qui coûtent pas cher là. Les enclos sont vraiment pas très très gros, quoi. Il y a plein de petites usines nouvelles qui sont intéressantes à voir. Si je vous montre vite fait le menu. Ah bah je suis pas dans une ferme, donc oui, il va pas me l'afficher. Qui c'est que je vais aller aider aujourd'hui? Julien ou Aurélien? Julien ou Aurélien? Je vais laisser Julien. Julien et moi nous mettre en gérant de ferme ou pas? Oui, moi aussi, s'il te plaît. Ah oui, vous êtes pas gérant de ferme, moi, du coup. Non. Bah normalement vous devriez être Ah bah oui non je sais pourquoi. C'est vrai. Hop là, il y a Anto qui arrive en plus, c'est impeccable. Merci beaucoup pour le quatrième mois Mika, merci. Et du coup moi je ne crée pas de ferme, donc je suis ouvrier. Donc lequel de Julien ou de... Ah non, je vais partir voir Aurel, moi. Je suis désolé. Je fais du favoritisme. C'est juste que c'est bon. Julien, il m'a commandé tout vendredi. Je vais partir du côté d'Aurel. Ce sera très bien. C'est sûr. Démerdez-vous de l'autre côté. Ça va être pas mal. C'est comment marche le temps sur le serveur. Alors, le temps sur le serveur est en x1. Pour le moment. Pour ce soir, le temps de lancer la game. Après, on va le bloquer en x15 ou x10. On va voir. Et on va essayer de le caler à peu près aux heures inversées par rapport au jour et la nuit. Ça veut dire que techniquement, quand vous allez jouer de soir, le serveur sera en jour. Et si vous jouez de journée, peut-être que le serveur sera un tout petit peu décalé et sera de nuit. Après, vous aurez la possibilité d'avancer le temps. Donc ça va décaler un peu cet ordre voilà, disponible quand vous aurez une ferme et tout ça. Donc c'est surtout, il faut pas que ça avance trop vite, parce qu'il faut que tout le monde ait le temps de travailler, et il faut pas que ça avance lentement non plus, parce que sinon ça va être la merde, voilà. Donc soit 3, soit 10, soit 15, enfin soit 3, 5, 15, en temps normal c'est les configurations moyennes. Mais après il y a des admins sur la partie bien sûr, il y en a deux pour l'instant qui ont le code, il y en aura même plus que deux, donc s'il y a vraiment besoin, moi, demain je travaille pas, donc si vous avez besoin je peux passer, venir vous voir. Après-demain, je travaille, donc ça va être plus compliqué, mais je pense qu'on pourra s'arranger. Les maisons seront déjà là, les corps de ferme seront là, donc on pourra avancer le temps s'il y a besoin d'avancer le temps. Vu qu'il n'y a pas de mode fanaison et qu'il n'y a pas de mode saison, ça emmerdera personne en fait. Voilà. Ah, c'est le mode fanaison, c'est ça que je voulais enlever. Le mode fanaison. Je crois que de toute façon, quand t'es pas en mode saison, tu l'as pas. Hein. C'est non, bien. Je crois pas. Je pense pas.
Là, on a enlevé la croissance saisonnière, on est bien en difficile. Trafic routier obligatoire, destruction de culture, oui. Labourage périodique, oui. Pierre dans les champs, oui. Mauvaise herbe, oui. Démarrage automatique, non. Certaines go, ok. On n'a pas mis de limitage de remplissage de la remorque parce que je n'ai pas envie de, voilà, de vous faire galérer. Ah. On a laissé la conso. Voilà, la conso par contre. Vu que t'as enlevé la croissance saisonnière, je pense du coup t'as pas la fenaison qui s'est enlevée automatiquement, je pense. Ouais, je crois qu'elle s'est enlevée direct, ouais, parce que je l'ai pas vu dans le truc. Serait-il possible que je fasse de l'esclave de JSP, mais plus tard, car je peux pas jouer là. Ouais, pas de soucis, Sixmon. Bien sûr, pour ceux qui ont envie de jouer les esclaves pour une ferme, parce que là, ça va commencer... Là, le but, ça va être que les gens construisent leur ferme. C'est pour ça que j'avais marqué en titre distribution de ferme, hein. C'est parce que le but du jeu, c'est que pas moi je crée une ferme, mais que vous créez une ferme et que moi je travaille pour vous, pour ce que vous aviez besoin. Et je vais me naviguer comme ça, de ferme en ferme, qui va évoluer. Ça pourrait être assez sympathique, vraiment. Ça va annoncer du lourd, ouais, je pense. Comment marche le temps sur le serveur? Je l'ai lu. Comment ça marche ton boulot? Mon boulot? Mon vrai boulot, tu veux dire? Bah, ça marche pas trop mal. J'ai pas bossé vendredi, j'ai pas bossé aujourd'hui. Je bosse pas demain, je rattaque mercredi. Voilà. Qu'on est pas mal. Ouais, là je suis en mode tranquillou. Tranquillou bilou, tu sais. Du coup, on va attaquer. Donc je suis avec Aurel. Alors attends, je suis avec Aurel. Aurel, il est où? Bah, tu pourras prendre le Mass Effect test qui sera là, au magasin. Ouais, c'est surtout que je regardais qu'est-ce que tu nous avais acheté de beau. Je regardais déjà qu'est-ce qui était acheté. Ok, il y a une ferme à gauche qui s'est déjà faite et une ferme à droite. Et toi, t'es de couleur orange, c'est ça? Ouais. Ça. Ok. Et ben on va partir avec notre ami Aurel. Il y a les faucheuses qui arrivent. Ok. Ah, je suis parti direct à faire du fauchage, c'est ça? Waouh. Et il rigole pas le bonhomme. Direct. Il y a qu'un champ à faire. Il y a qu'un champ à faire, ok. Ouais. Allez, c'est parti pour du fauchage. Donc les premières fermes ont été distribuées. Si vous voulez rejoindre et créer une ferme, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez largement le faire aussi. Donc ça pourrait être sympa, salut Deadpool. Salut, salut. Comment il va? Et merci Sapeur pour le troisième mois. Merci beaucoup. On va voir l'IA. Petit passage histoire de renouveler. Je reste pas, je rentre tout juste du boulot. Big big up et bon live à tous. Bisous Sapeur, bisous bisous. Bon courage pour le taf. Oh putain. Bah ça va bien et toi? À part le fait qu'on t'entend pas, toi. Attends, bouge pas. Hop. Ah. Ouais, c'est bon. Et là, vous m'entendez mieux? Ouais, ouais, c'est bon. C'est juste moi qui t'avais baissé, en fait. Tu dois avoir une grande gueule, c'est pour ça que je t'ai baissé. Ah. Ah. Merci. Il nous fait un A de Denis Renard. T'es en épisode, Schizo? Oui, je suis en épisode, là. Je suis en full épisode. Hop là, je suis en épisode encore 19 minutes, là. Normalement, ou 18 minutes. Donc on est au tout début du lancement, bien sûr. Donc ceux qui ont rien à faire et qui voudraient bosser, bah soit il y en a qui partent du côté Julien, soit du côté Aurel. Et bonjour. Et Aurel, il faut que je parte sur quel champ du coup? Le 157. Le 157. Il est juste à côté. 157. Alors attends, je crois. Juste à côté. 157. Ah, c'est une mission? Non, c'est non. Il est en haut à côté du champ 5, de la ferme 5. Ah, pourquoi je le vois pas? Ah, bah, c'est que tu l'as acheté. Ouais, il l'a acheté. Hein. 150. Bah, quand t'es en mode achat, c'est le. Ah, oui, d'accord, ok, il est à gauche. Ah, oui, il est complètement à gauche, ouais, d'accord. Les moutons et ça continue. Ok, ok. Non, parce que j'étais au magasin avec ton 7S, c'est pour ça que j'étais en train de me demander où il fallait que j'aille. T'es. Maintenant que j'ai la route, surtout que je connais pas la map. La map qui est très jolie, qui est assez sympathique, vraiment, tu sais. T'es prêt, Schizo? Je suis prêt à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et moi je suis encore à l'entreprise. Eh bah, GG Skullred. Courage. Inquiète. Ça va bien se passer. Oui. C'est quoi le mot de passe? Il est écrit sur le canal du Discord serveur communautaire. Je suis parti dans le bon sens là. La première équipe s'est déployée. Du coup, Julien, ça fait quoi de beau toi? Ça moissonne déjà? Oui. Parti à la moisson? Impeccable. Moisson de blé. Moisson de blé. Ok. Ok, ok. Et qui c'est qui vient avec Aurel alors de ce côté-là, là que... T'as qu'un tracteur là, Aurel, du coup, pour le moment? Je suppose.
Non, j'ai le deuxième qui vient d'arriver. Ok. Tu pourras mettre en andin ou pas? Ouais, je pourrais mettre en andin, ouais, direct. Tu fais quoi? Tu fais de l'enrubanage là? Non. Non? Mais faut que je reste les moutons. D'accord, ok. Bah ouais, direct, oui, je suis con, ouais, bah oui, c'est vrai que t'as pris les moutons. La ferme 5, ça sera les moutons. Je vais la présenter après, ta petite ferme. Je sais pas si je suis parti dans le bon sens. Si. Putain, mais elle est grande la carte! J'étais en train de me demander à quel moment j'arrivais au bout là. Oui. Et oui! Bah oui, elle est grande. Elle est grande! Elle est énorme même. Tu t'es perdu en volant l'autre fois. Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus. C'est vrai, la blague, c'était vrai. Je sais plus où j'étais, tu sais. On est parti en mode sans DLC. Voilà. Il n'y a pas de DLC. Il y a juste deux modes, je crois, à la con qu'on a laissé. Le guidon de steering pour ceux qui aiment bien le VCA. Pas le VCA, le. Merde. Le GPS, pardon. Et je sais plus qu'est-ce qu'on a aussi sur le côté que j'avais laissé. La multimission et la 6 et 9 MT. Voilà. Parce que ça, c'est un truc que vous alliez me demander. Donc c'est pour ça que j'ai gardé le packaging traditionnel. Là, j'attendais de voir s'il y en avait un qui a envie de créer une ETA. Parce qu'au pire, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais foutu le invoice. Histoire que vous puissiez vous facturer entre fermes. Ça va peut-être arriver au fur et à mesure. Et celui-là, je l'ai gardé sur le côté, quoi. Donc, ça pourrait être sympa. Salut Fablo! Salut, salut! Oh putain! Oh putain! Oup là! Ça passe! Impeccable. Et nous, on est parti pour faucher pour Aurel. On travaille pour Aurel. Ça va être juste incroyable de fringues. Stack. Et il faut que je lui fasse des andins, il m'a dit. Attention, je travaille pour un patron, faut pas que je fasse le con. Hein. Si je commence à faire le con, on va me faire détruire la tête, toi. On va pas être content. Je suis en andin là. Ah non, hein, fais pas le con, hein. J'ai pas l'andinaire. Contrôle Y. Andin. Voilà. Attention, synchro dans quelques minutes. Yes. C'est bon, je suis dans le champ. Hein. Faut y aller. Non, mais on ne sait jamais. T'as pas vu un peu court niveau puissance? C'est le 7. Ouais. Ah, j'ai pas. Ah, je l'ai pas amélioré en puissance. Ouais, je crois que. La synchro, je l'ai même pas vu passer. C'est normal, y'a rien encore sur le serveur. Ouais. Attendez, je reviens. Elle est longue. Je ferme le cœur pour lui monter. La 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 la. Et je remonte sur mon tracteur. La 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 la. Et fais péter la démarrer. La 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 la. Et le tracteur il est parti. La la la. Bizier Chef Farming fait un don de malade de 300 €. Du coup Bizier Chef Farming débloque un livre privé sur le jeu de son choix. C'est la mafia hop, la BZH sur Echo invite Kizo pour du farming sur Echo. La mafia soutient la suite à prod. Voilà, merci beaucoup BZH du coup pour le petit don de 300 €. Merci énormément. Merci, merci. Et du coup, c'était la barre palier. Voilà, c'était la barre palier pour débloquer un live supplémentaire dans la semaine qui va se passer le samedi, qui va être réservé aux sub abonnés. Voilà. C'est à la demande de BZH que du coup je fais une OP viewer. Voilà. Donc le samedi soir il y aura du écho parce qu'il veut que j'aille sur écho, donc ça sera du écho. Et du coup tous les dons qui seront à 300 € comme ça, ça débloquera automatiquement un nouveau jour de stream le samedi soir où vous me direz sur quel jeu vous voulez que je parte et ça partira dessus. Voilà. Et l'alarme, je vais la changer à chaque fois. Donc là, j'espère que l'alarme vous a bien plu parce que vous risquez de pas de la rentendre. Je pense pas, du moins. C'est pas prévu, quoi. En tout cas, merci énormément, mon petit BZH. Merci énormément pour les 300 €. Voilà. Ça fait énormément plaisir. C'est incroyable. Par contre, la musique, elle me casse la tête. Hop, 2 secondes. Merci, merci beaucoup. Incroyable, incroyable. Ça soutient énormément. La mafia OP. La BZH sur Echo, c'est ça. Incroyable.
Donc si vous avez un jeu et 300 euros à dépenser, sachez que cet argent est la bienvenue en ce moment. Vraiment. Vu que je suis à deux doigts de fermer boutique, c'est un énorme soutien. Merci énormément. Et du coup, en récompense, bah voilà, je lui offre une soirée privée, entre guillemets. Alors, ça sera réservé avec les subs et les VIP, bien sûr. Ça sera une soirée privée. Mais vous pourrez toujours venir me faire un petit coucou. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, on va repartir sur notre farming avec tant d'émotions. Et heureux. Pardon. Ouais. Non, on a vu. J'étais un chouille occupé. Ou putain. GBZH. Ouais, GG. GG, on peut pas dire mieux. Ouais. Il tombe à point. Qui sait attendre. Mercredi live Snowrunner. Normalement, oui. Hormis imprévu. Mais normalement, oui. Normalement, le mercredi, ouais, il y a toujours Snow. Le mercredi, il n'y a pas de soucis. Et du coup, samedi, bah, vous aurez écho en plus. Voilà. Live OP Viewer. Voilà. Tout don qui dépasseront 300 euros sera un live où le viewer qui aura lâché du coup le don, bah, il me dira sur quel jeu il a envie qu'on parte. Et ça sera une soirée privée VIP sub avec le viewer. Voilà. Histoire de récompenser le gros don. Voilà. C'est pas dégueulasse. Et en plus, ça soutient énormément la chaîne, surtout dans ces périodes difficiles. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci. Vu que t'as fait Snow dimanche soir exceptionnellement. J'ai fait du Snow. Parce que je l'avais loupé mercredi. Parce que mercredi j'étais en déplacement avec le boulot. C'est pour ça que je dis normalement le mercredi je suis sur SnowRunner. Mais là oui. Là mon patron, on était à Montluçon. Donc comment te dire que j'étais à 2h30 de route de la maison. Même 3. Donc oui, je suis désolé. J'ai pas pu être là à temps pour faire le live. Et si tu veux vraiment, hein, Jaguar. faut être là le mercredi, tu viens avec nous. Et si je suis pas là le mercredi, dis-toi que ça sommera un dimanche. Voilà. Pas mal. Quelle région? Je suis du Cher, moi. Je suis entre Bourges et Nevers. Et bonjour! Et bijoux! Je galère avec la faucheuse avant, là. Je vais désactiver ça. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Vu que c'est que des petits bouts de merde qui me restent. Salut Roro. Bonsoir. Comment il va le père Roro? La forme? Parce que je vais kiffe te voir sur Snow, surtout avec votre équipe. Bah l'équipe c'est les viewers. Hein. L'équipe qu'on a sur Snow c'est vraiment entièrement viewers. Hein. Bah à part Anto qui fait partie staff tournage maintenant. Mais tu vois Anto il était pas là dimanche. Parce que justement il y avait assez de viewers. Anto il vient faire le boucheron. Quand il n'y a pas assez de monde, il vient faire le bouche-trou. Y aller, je vais pas te laisser tout seul. C'est un peu la rustine en fait. Ah, c'est pas la rustine, c'est que ça permet d'avoir un coup de main sur SnowRunner. Surtout que là, on est en retard sur cette saison là. Et qu'il faudrait vraiment qu'on avance très rapidement parce qu'il y a bientôt la saison 13 qui sort. Samedi soir, mon serveur privé. Ok, BZH, il faudra que tu me donnes le code d'invitation du coup. Y a pas de souci. Je viendrai sur ton serveur privé du coup, monsieur BZH, ma fée à Breton. Ton corps de ferme, il est juste à côté là, je te pose les faucheuses où? Juste à côté? Il y a de la place dedans, ouais. Ouais, parce que ça t'appartient. C'est la 5, c'est ça, ouais, donc il faut que je traverse. Tu serais monté par en haut, t'as le chemin de suite. Ah ouais? Ouais, tu passes devant tout l'enclos à moutons. D'accord. Bah là, du coup j'ai tiré tout droit, tu sais. Ouais. Bah oui, en fait c'est le même chemin, mais moi je suis en haut. D'accord. Je connais pas la carte encore, je la connais vraiment pas celle-là, donc. Bah moi ce côté-là je connais pas trop non plus. Ah bah ça va te permettre de découvrir. Bah c'est pour ça. J'essaye de trancher les faucheuses correctement. Ouais. Hop là, du coup 2 MF du côté de Aurel, c'est pas dégueulasse, on aura fait un petit fauchage. Ah merde, ça passe pas. Les faucheuses passent pas sous les bâtiments. Non, je voulais pas. Ah, les faucheuses passent même pas. Même en baissant, ça passe pas. Si, en baissant, ça va. Bah, en baissant, en fait, quand je fais V, ça le descend pas. Ça descend, tu vois, ça déplie. Ah oui. Après, je peux te les laisser déplier si tu veux, mais ça va te prendre au taquet de place pour pas grand chose. Oh. Ah. Je suis en train de lui abîmer son matériel tout neuf, moi. Allez, zou.
Hop là. C'est vrai que bah, tu me lances, moi. Je me suis couché au moment de le réceptionner. Ça. Bonsoir Maurice, bonsoir, bonsoir. Bon, je te les laisse les deux là, comme ça. Ce sera déjà pas mal. Attends, j'ai rien, j'arrive. Ok. Impeccable. Du coup, YouTube, on va se laisser là. Je vous fais des gros bisous. Donc, si vous voulez venir sur le serveur communautaire, n'hésitez pas. Le lien est en description du Discord. Vous avez toutes les infos qui sont sur Discord. Et si vous avez envie de Twitch, eh ben, c'est maintenant. Il faut venir, il faut rejoindre parce que là, je suis en train de créer des fermes. Donc, si vous avez envie d'avoir votre propre ferme, c'est le moment. Parce qu'il y en a encore plein. Merci pour l'alerte. La vache qui pète. Merci beaucoup. Ciao, bonsoir YouTube.